Ça va bien sûr. Merde. J'ai cassé. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Donc aujourd'hui je reviens avec un haul. J'ai fait pas mal d'achats ces temps-ci et je voulais partager ça avec vous, vous montrer mes looks et bientôt aussi l'hiver. Donc je me suis préparée, j'ai acheté pas mal de manteaux chez Pretty Little Thing et aussi pas mal de choses chez H&M et chez AliExpress. Donc cet ensemble là vient de chez AliExpress. Là aujourd'hui je me filme toute seule et du coup c'est compliqué. Ça donne. C'est des chaussures ouvertes de chez Zara. C'est galère pour filmer toute seule là, j'ai pas l'habitude en fait. Voilà. Donc l'ensemble blanc il est comme ceci, c'est le même hein, mais sauf que là il est blanc cassé et sinon c'est le même, c'est juste la couleur qui change. J'adore ces genres d'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est confortable, c'est on peut mettre tous les jours avec des baskets ou avec des talons. Voilà ce que ça donne l'ensemble blanc. Avec les baskets, je sais pas si on voit bien. Voilà. Qu'en pensez-vous de la couleur? Préférez blanc ou jaune? Je trouve que ça va mieux avec les baskets en fait. C'est un ensemble qu'on peut porter tous les jours tranquille, on est à l'aise dedans et surtout ça tient chaud. Franchement j'adore. Voilà les baskets, je sais pas si on les voit de loin, du coup je vous montre de près. Elles sont super belles, donc c'est des baskets de chez Zara, je les adore, je les mets tout le temps. Ensuite il y a cet ensemble qui vient de chez H&M, donc c'est vendu séparément, vous avez la robe et le legging qui va avec. Donc voilà, j'ai pris en taille une taille L je crois, ouais c'est du L, donc regardez ça va jusqu'en haut et je l'ai associé avec des baskets toutes blanches, donc c'est des baskets que j'ai acheté chez Bershka. Là j'aime bien la fermeture là ici, j'aime bien les hauts quand c'est ouvert, j'aime pas trop mettre des pulls col roulé et tout ça, ça j'ai l'impression que ça m'étouffe en fait et du coup j'aime bien quand c'est comme ça, au moins je peux ouvrir, je peux refermer et les cols roulés j'aime pas trop. Voilà, j'adore, c'est trop beau. En fait, je l'ai acheté à H&M à La Défense parce que j'étais partie pour le tournage de Vrac. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo avec Vrac par rapport à la dépigmentation. Et quand j'y étais, j'ai été aux Champs-Élysées parce que j'étais en avance et j'ai fait les magasins et j'ai vu cet ensemble-là sur la vitrine. Et, mais il n'y en avait plus, c'était en rupture et du coup quand j'ai fini le tournage j'étais à La Défense pour c'est La Défense ou les Halles, c'est les Halles plutôt,
Moi, je connais pas Paris. Hein. C'est les Halles en fait. J'étais à H&M là-bas et j'ai acheté pas mal de trucs. J'ai dépensé 200 euros là-bas. Donc j'ai pris le bonnet. On verra bien si ça me va parce que oh, ça va. J'aime pas, je mets pas souvent les bonnets, mais j'aime bien tout ce qui est chapeau, bonnet. C'est pas mal, hein. Pour l'hiver, c'est cool. Et j'ai pris un manteau, je vais mettre avec pour voir si ça suit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cet ensemble-là, je l'adore. Il y a en noir et en beige. Je l'ai pas pris en beige, mais j'ai pris un sweat avec un legging de la même collection en fait. Donc, je vais vous montrer avec le manteau ce que ça donne. J'ai pris ce manteau. Donc, je vais mettre avec pour voir ce que ça donne. Je l'ai eu à 39 euros. Mais je trouve qu'il est vrai, il est vraiment stylé. Et la couleur claire comme ça, j'adore. Je ne sais pas si ça suit trop avec. Je ne sais pas. Je ne pense pas que. Je sais pas si je mettrai avec, mais voilà quoi ce que ça donne. Ça, je pense que le manteau comme ça va plus avec les jeans, mais avec l'ensemble, non, je crois pas. En plus, ça fout des poils dessus, donc non. Mais le manteau, il est vraiment chouette. Je l'essayerai tout à l'heure avec autre chose. Voilà. Mais l'ensemble, il tue. L'ensemble, il est vraiment. Je l'adore. Avec les baskets blanches comme ça, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Donc, les baskets sont simples. C'est des baskets de chez Bershka et c'est des blanches simples. Voilà que j'ai mis avec, mais je pense que cet ensemble-là, ça va être mon préféré de ce haul. J'adore, trop beau! Ensuite, là, toujours de la même collection, j'ai pris un sweat. Je crois que je l'ai pris en L et le legging aussi, il est en L parce qu'il n'y en avait pas en M, mais le noir, il est en M. J'ai mis avec des baskets montantes de chez Zara. Voilà, le legging, il est, je trouve que sur le côté, ça fait un petit peu de pli, vu que c'est du L, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Là, ce que ça donne. Voilà. Qu'on me voit bien de loin. Voilà. Voilà. Je sais pas si ça se prononce Pringle. Mais j'adore. Pour l'hiver, je suis prête. Et aussi, j'ai pris le bonnet. Voilà. Je sais même pas comment le porter. Voilà. Je peux mettre plus loin même, comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer les chaussures parce que de loin, je ne sais pas si on voit bien. Avant d'enlever l'ensemble, je vais l'essayer avec un manteau de chez Pretty Little Thing. C'est un long manteau, je pense que ça peut bien aller avec. C'est un manteau noir. Voilà. Ce long manteau.
trouve qu'il est trop beau. J'aime trop les manteaux. Je pense que ça, je trouve que ça suit quand même. Il est trop beau ce manteau. Ça se ferme aussi. Vous pouvez le fermer à ce niveau-là. Il y a trois gros boutons et poches comme ça. Et vous pouvez le mettre avec tout. Robe, jean, tout. Et l'ensemble noir aussi, je pense que ça peut bien aller avec. De chez Zara, c'est des baskets montantes. Elles sont super belles, je trouve. En général, j'aime pas les cols roulés, mais l'ensemble, il est vraiment confortable. Ça en jupe, c'est la première fois que je m'achète. Enfin, je me suis déjà acheté des jupes, mais j'en mets jamais. Donc, la couleur, je trouve qu'on ne voit pas trop. Je sais pas, peut-être avec la lumière, elle me rend toute, toute claire et du coup, laisse tomber. Voilà. Je vais vous montrer, voilà, la matière elle est comme ça, vous voyez c'est tout doux et c'est une jupe et un haut. Par contre le haut, je pensais pas qu'il était, je pensais pas qu'il était si court le haut, mais après on peut monter la jupe et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai mis avec des baskets, après vous pouvez le mettre avec des bottes, des bottines, c'est pas mal. Blanc cassé et je trouve que c'est super joli et aussi c'est tout doux, ça tient bien chaud. Voilà, pour moins de 10 euros, franchement, c'est vraiment pas mal. Du coup là, je vais réessayer avec ce manteau pour vous montrer. Je pense que ça va bien suivre. Oh, merde, j'ai cassé. Comme je vous l'avais dit, ce genre de manteau, ça va avec tout. Là, j'ai mis un jean et un haut. C'est un jean taille haute de chez Zara. Et j'ai mis les cuissardes aussi de chez Zara. Vu que ce look, c'est un look qui va avec tout, je vais mettre tous les manteaux pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est un manteau oversize de chez Pretty Little Thing et c'est kaki. Il est long, j'aime bien quand c'est long en fait. Et pour l'hiver, c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais grand et j'ai pris en 42. Je prends toujours une taille au-dessus en fait. Normalement je peux mettre du 38, mais j'aime bien quand c'est grand. Voilà, tu peux mettre un pull, ce que tu veux en bas. Et vous avez deux poches ici. Deux poches et une fermeture éclair. On peut fermer jusqu'en haut. Voilà Valou. Et pour mettre avec, c'est un sac qui vient de chez Zara. En fait, les sacs comme ça avec une chaîne, je les adore. J'ai acheté plusieurs couleurs. Ils ont sorti plusieurs. Vous voyez? J'ai pris en noir, c'est les périodes des fêtes que j'ai acheté ça. Pareil, j'aime trop les sacs avec une chaîne. Vous allez me dire que c'est la même chose que l'autre, mais il y a vraiment une différence parce que là, c'est un effet peau de crocodile et là, ça fait plus des triangles. Le même ici, mais en marron. Celui-là, je l'avais acheté à Cannes. Il y a 2 ans, ils l'ont pas fait beaucoup en fait,
le modèle marron comme ça. Mais le noir, vous allez toujours le retrouver chez Zara. Je vous mettrai le lien. En bleu. Il est trop magnifique. Vous voyez, c'est le même que le noir. Avec les petits triangles comme ça. Mais il est chouette. Ensuite, j'ai ce manteau rose. Il est super beau. Il est court. Et ça, il faudra que je le coupe. Je trouve qu'il est magnifique. Regardez ce que ça donne. Trop beau. Et vous avez là des crochets pour fermer. Il est super beau, je trouve. Je vais tomber ça. Christophe, il va me tuer. Il est tout doux en plus. J'ai pris en 40 ou 42, je ne sais plus. Mais je prends toujours, comme je vous l'avais dit, une taille au-dessus. Vous verrez ce que ça donne, c'est le manteau de chez H&M. C'est mieux quand même avec un jean comme ça, je trouve. Oui, c'est un manteau qui est quand même simple. Il y a des poches comme ça. Super beau. Le dernier, c'est le même que le kaki, mais en blanc. Super beau. Magnifique. Blanc comme ça, j'adore. Il est magnifique. Je le prends en 42. Et il y a une fermeture éclair. C'est pareil que le kaki, mais en blanc. Je trouve qu'il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. La fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.